Monsieur Matata Mponyo, na kubenga yende kote, ndenge la plupart ya batu ya IDPS ba benga ka Rwandais. C'est un Rwandais de père et de mère, azali Congolais te. Toi, Matata Mponyo, tu devais te retirer ou on devait t'appréhender et te flanquer en prison pour que tu cesses de raconter les salades que tu rencontres là-bas. Quelques points ont retenu mon attention. Namalobaya, monsieur Matata Mponyo. Il parle de l'éthique, il parle de la gestion de la chose publique, il parle de la symbolique de la couleur rouge, la cravate naillée, et historiquement, il parle de ce que cette couleur représentait dans la gestion de la chose publique dans l'Antiquité. Il n'a pas honte de mentir. Lui qui est reconnu parmi les autres envahisseurs et occupants du Congo comme étant un voleur et un menteur. Monsieur Matata Mponyo, regarde-moi très bien. Plusieurs fois, je t'ai adressé la parole, toi et Hippolyte Kajambere Kanambe, Moïse Katumbi, et eux-mêmes, tu es allé amuser la galerie dans ces studios sponsorisés par Hippolyte Kajambere Kanambe qu'on appelle TV50, afin qu'on puisse voir réellement que yo Ozali, intellectuel, universitaire, et quelqu'un qui aurait ou qui a géré le bien public avec orthodoxie. Tu n'en as pas fait preuve, parce que s'il y avait de l'éthique dans ce que tu faisais, tu ne serais pas traîné devant la justice, comme on l'a fait, et parce que le pays est corrompu et la justice n'existe pas. Je ne dirais pas que la justice est malade, comme l'a dit Félix Tshilombo, mais la justice n'existe pas. Si tu pratiquais réellement l'éthique dans le lobby. Le tribunal t'aide, d'ailleurs tu n'y étais pas, tu as prétexté être malade et ce sont tes avocats, des corrompus avocats d'ailleurs, qui étaient allés te représenter là-bas. Tu as fouillé de te représenter. Et c'est ton argent qui t'a défendu, sûrement en partageant des sommes d'argent gauche et droite pour que tu puisses sortir indemne dans l'accusation qui était porté à ton endroit. Vous, le Rwandais, le Burundais, le Ougandais, vous vous êtes joué du Congo. C'est votre temps. Vous devez réellement régner et dire n'importe quoi au peuple congolais, un peuple dominé des sens de défense, que ce soit dans ta parole, que ce soit dans le sens physique ou armement. Tu as parlé de la symbolique de la cravate, enfin de la couleur rouge, la cravate naïo, en mentant et la couleur rouge symbolise, ou à l'époque, basé qu'on utilisait un mot, la co-symboliser gestion en choses publiques dans le gouvernement. Monsieur, toi, tu as fait l'économie et les finances. Je n'ai pas fait l'économie et les finances, mais je me suis beaucoup documenté sur les deux sujets-là, l'économie et la finance. Et j'ai beaucoup lu, et je continue à beaucoup lire, deux œuvres classiques, que ce soit politique, sociologique, philosophique, eh ben, j'en suis un de passionné. Nulle part, au moins, Jomadar Vibikil Kilele, avais-je lu que la couleur rouge allait symboliser la rigueur dans la gestion de la chose publique. Tu mens. Tu mens et tu mens. Tu as menti. Il ne faut pas dévier les gens. Hein. Tu dévies les masses. Ces masses qui te voient, qui te suivent, Bazoko Monaï comme étant un intellectuel, un érudit, et qui représente un exemple et a gestion à chose publique. Bon, certains, surtout, t'applaudissent parce qu'ils ramassent de miettes, comme cela est mentionné dans les livres que vous tous chérissez plus, la Bible, qu'il y a des esclaves, des domestiques qui ramassent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Ba Congolais, couleur rouge, ezali moko katia ba couleur naturelle tozana yango. Couleur rouge, to ya motane, ya bleu, ya pembe, ya jaune, na bongo. La couleur rouge n'a jamais été adoptée dans les cénacles gouvernementaux pour la gestion de la chose publique, c'est un mensonge. Couleur rouge.
ezali couleur ya ba membre ya ba loge, que ce soit maçonnique ou de templier, mais de loge neti ya ba jésuite ou ezali na rôle ya ko pesa privilège na ba membre na yango partout esika bazali, mpe partout oyo ba infiltré ba organisation mosusu. Bazali na symbolique oyo, pour cela parmi vous qui sont intellectuels, ou que tala yango na ba documentaire mingi où on vous parle des signes. Bakoye bisabino, par exemple, chez les Illuminati, quand quelqu'un fait ceci, il acquise quelque chose. Ce qui moto a sali boye, il acquise quelque chose. Ce qui moto a touché awa, il acquise quelque chose. Ce qui moto a touché boye, il acquise quelque chose. Tango bazoko pesa na mbote. Ce qui moto a kwanyi pompe de main de nayo, elle acquise quelque chose. Ce qui moto a taliyo makolo likolo deux ou trois fois, akouta nayo un deux, ezali message bazali ko s'échanger entre bango et ne peuvent comprendre ça que c'est là qu'ils sont initiés. Couleur rouge, pour ne pas aller dans des détails, est symbolisé biloko mibale misato. Ya liboso na yebisabino d'abord, ezali elakisi makila. Makila ya nini? Moto nyoso oyo ako trahir, ifo bakata ye kingo. Moto oyo ako sala musala ba tout batindie asala te, ifo baboma ye. Et puis, ezali ko lakisa violence, que ce soit physique, intellectuelle, passionnelle, raison pour laquelle, nakati ya ba pouvoir, nakati ya ba régime, soki ozali deja initié na ba loge wana, soki o trahir bakoboma yo. Yango lèr bakendeke ko prete serment bobo na kabango basala kaboya. Bakoyebisa yebo, tu auras tout, mais tu dois défendre ba intérêt ya groupe na biso. Ndima ke soki o défendre ba groupe ba intérêt ya groupe na biso te, to koboma yo pe tu ne vas rien regretter, na famille ne regretter lokoma. Yango mona kabakendeke bam. Balati bilamba na bango ezana basenye ba compagne na ba équerre ba kei et puis saliboy. Vous pouvez retrouver beaucoup de documents sur les réseaux sociaux. Il y a Moutonetti Sassou Nguesso, il y a Moutonetti Macky Sall, il y a Moutonetti Nelson Mandela, il y a Moutonetti Thabo Mbeki, mais surtout Sassou Nguesso, il y a Penza Zaka, militaire accueilli à Saliboy. Abino, Oyekoya, Eya, ceux qui n'ont trahir par intérêt à France, il faut pas katanga kingo. Raison pour laquelle Bomonaka, et si quand nous sommes autorités accueillis, bazalaka akei mpe batamboli na tapis rouge. Symbolique na yango pe signification yango yango wana. Deuxième symbolique, a fait signification ya couleur rouge. La couleur rouge, oyo bomoni wana, ça représente makila ya règle menstruelle oyo bimaka na nzoto ya ba mama na biso, basi na biso, ba tante na biso, ba koko na biso, bana na biso ya basi. Parce que une fois que tu es initié, ba concoction mingi, ba liquide mingi ba pesa bango, ezalaka na liquide, ezalaka na breuvage mixé na menstru ya mwasi. Pourquoi? C'est parce que nzoto ya mwasi ezali source ya vie. Biso nyoso tokota kawana peto bimakawana zali source ya vie. Popoli dialogue est sérieux tous ensemble. Nous sommes sur le Congolais dans le monde entier. Tous abonnés à Congo Dialogue Info. Et si vous avez un bon moment, si vous avez une idéologie, facile en gamme. Bana Mboka, Bana Congo, Mbote Nabino, Mokolo, la tombe de Bino Mokolo, et l'amo, Oyo Babengi, Mokolo Ayenga. Le septième jour de la semaine. Il y a ceux-là qui disent qu'ils allaient
même le huitième jour de la semaine. Et dépend de la logique de Bango, de la connaissance de Bango, n'est-ce pas, il y a Tinda en sango et pas yaba soda. Et puis, na lingi yambona banda. Na bete la binu video oyo. De koma kwa tinde la kingai. Esika Rwande mata tamponyo azako loba. Bayoka. C'est prestigieux d'exercer des fonctions comme celle d'un ministre des Finances. Dans d'autres pays, on le qualifie d'argentier national. Autant se préciser, autant se lourd du point de vue des responsabilités éthiques et morales. C'est lorsque, au nommé ministre des Finances, que j'ai décidé de porter la cravate rouge. Oui, que vous arborez ce soir et qui est le symbole maintenant de votre parti même d'ailleurs. Voilà. Mais moi, vous, je n'ai que mes chaussettes. Hein. Vous avez les rouges aussi. Oui. C'est un symbole de la rigueur. C'est un symbole de la discipline. C'est un symbole de la responsabilité dans la gestion financière. Lorsque un ministre des Finances, ancien, demande à l'inspection générale des Finances d'enquêter sur sa gestion, est-ce que vous comprenez l'essence élevée de la spiritualité? Laissez-moi vous dire que le symbole de l'État dans les temps immémoriaux, c'est-à-dire dans l'Antiquité, le symbole de l'État était confondu avec la spiritualité. Bon, si Kolanda, monsieur Mata Tamponyo, n'a pas bien gagné de côté, n'engue la plupart des batailles de pièces va bien gagner Rwandais. C'est un Rwandais de père et de mère, Azali Congolais. Bauti Kolanda, pour ceux-là qui ne sont pas fanatiques, Mpe Oyo, Bazali na sens critique. Soki Bazoko yo kamoto azoko loba, tout Bazali na sens critique, soki batangi en texte. Oyo komami na moto to na bato. Quelques points ont retenu mon attention. Namalobaya Monsieur Mata Tamponyo. Il parle de l'éthique, il parle de la gestion de la chose publique, il parle de la symbolique de la couleur rouge, la cravate naillée, et historiquement, il parle de ce que cette couleur représentait dans la gestion de la chose publique. Antiquité, on le lui concède, mais on doit casser tout ce qu'il a dit parce que il n'a pas honte de mentir, lui qui est reconnu parmi les autres envahisseurs et occupants du Congo comme étant un voleur et un menteur. Mais ce matin, Tamponyo, regarde-moi très bien. Plusieurs fois, je t'ai adressé la parole, toi et Hippolyte Kajambere Kanambe, Moïse Katumbi, et eux-mêmes, Kamere. De un, tu es allé amuser la galerie dans ces studios sponsorisés par Hippolyte Kajambere Kanambe qu'on appelle TV50, afin qu'on puisse voir réellement qu'il y a aux alliés intellectuels, universitaires, il y a quelqu'un qui aurait ou qui a géré le bien public avec orthodoxie. Tu n'en as pas fait preuve, parce que s'il y avait de l'éthique dans ce que tu faisais, tu ne serais pas traîné devant la justice, comme on l'a fait, et parce que le pays est corrompu et la justice n'existe pas. Je ne dirais pas que la justice est malade, comme l'a dit Félix Tshilombo, mais la justice n'existe pas. Si tu pratiquais réellement l'éthique dans le lobby. Rungyo Kende. La tribunal Ted, d'ailleurs, tu n'y étais pas. Tu as prétexté être malade et ce sont tes avocats, des corrompus avocats d'ailleurs,
qui était allé te représenter là-bas, tu as fui de te représenter. Et c'est ton argent qui t'a défendu, sûrement en partageant des sommes d'argent gauche et droite, pour que tu puisses sortir indemne de la accusation qui était portée à ton endroit. Vous, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, vous vous êtes joués du Congo. C'est votre temps, vous devez réellement régner et dire n'importe quoi au peuple congolais, un peuple dominé des sens de défense, que ce soit dans la parole, que ce soit dans le sens physique ou armement. Toi, Matata Mponyo, tu devais te retirer ou on devait t'appréhender et te flanquer en prison pour que tu cesses de raconter les salades que tu rencontres là-bas. Ensuite, tu as parlé de la symbolique de la cravate, enfin de la couleur rouge, la cravate Nayo, en mentant que la couleur rouge symbolise, ou à l'époque, Bazeko utilisait un mot, pour symboliser gestion des choses publiques dans le gouvernement. Monsieur, toi tu as fait l'économie et les finances, je n'ai pas fait l'économie et les finances, mais je me suis beaucoup documenté sur les deux sujets-là, l'économie et la finance. Et j'ai beaucoup lu, et je continue à beaucoup lire, des œuvres classiques, que ce soit politique, sociologique, philosophique. Eh bien, j'en suis un de passionné. Nulle part où moi, Jomadari Vibikil Kilele, avais-je lu que la couleur rouge allait symboliser la rigueur dans la gestion de la chose publique. Tu mens. Tu mens et tu mens. Tu as menti. Il ne faut pas dévier les gens. Tu dévies les masses. Ces masses qui te voient, qui te suivent, Bazoko Monaï comme étant un intellectuel, un érudit, et qui représente un exemple et a gestion de la chose publique. Bon, certains, surtout, t'applaudissent parce qu'ils ramassent de miettes, comme cela est mentionné dans les livres que vous tous chérissez plus, la Bible, qu'il y a des esclaves, des domestiques, qui ramassent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Ma Congolais, couleur rouge, ezali moko kati ya ba couleur naturelle tozana yango. Je ne veux pas parler de couleurs créées par Dieu. Si c'est Dieu qui les a créées, tant pis, tant mieux. Couleur rouge, toya motane, ya bleu, ya pembe, il y a jaune, na bongo. La couleur rouge n'a jamais été adoptée dans les cénacles gouvernementaux pour la gestion de la chose publique. C'est un mensonge. Par contre, parce que les Africains modernes sont dits intellectuels ayant bu à la farce occidentale, Balingi, Kokotanaba loge, je parle de loge, il y a des loges maçonniques, il y a des loges de templiers, il y a plusieurs loges, loges où il a qu'ici, Nako, ils allaient gérer le bateau, ils allaient gérer certains secrets, comme dans la kabbalistique, il y a des juifs, il y a des initiés qui gardent les secrets, comme dans ce que nous appelons, nous, la sorcellerie. Motonyo Soazalaka Ndokite, mais ceux-là qui sont initiés, Bayev Sakabango va garder secret, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit connaître le secret. C'est ce qu'on appelle loge. Vous êtes logé là-bas pour n'avoir gardé secret. Oh, Bayev Sibino, ne dénoncez pas, n'exposez pas, ne trahissez pas. Et les avantages pour vous, vous allez bouillir. C'est ce qu'on appelle loge. Ce ne sont pas les blancs qui nous ont amené les loges. Bakuta Kiango, Awa, Panabiso,
en Afrique. Mais il y a des loges qui sont nocives, loges maçonniques, loges, il n'y a pas de templiers, etc. Couleur rouge, pour votre information. Et ça, les couleurs, il y a des membres, il y a des loges, que ce soit maçonnique ou de templiers, mais des loges, il y a des jésuites, où ils ont un rôle, il y a un peu privilège dans les membres, partout ici, à Bazali, un peu partout où ils ont infiltré l'organisation Moussousou. Bazali, c'est symbolique, où pour ceux-là parmi vous qui sont intellectuels, ou qui ont un documentaire Mingi, où on vous parle des signes. Bakoyeb Sabino, par exemple, chez les Illuminati, quand quelqu'un fait ceci, il acquise quelque chose. Ce qui m'a à Saliboye, il acquise quelque chose. Ce qui m'a à toucher Awa, il acquise quelque chose. Ce qui m'a à toucher Boye, il acquise quelque chose. Tant que vous avez pensé à Mbote, ce qui m'a à coigner pompe de main de Nayo, elle acquise quelque chose. Ce qui m'a à Talio, Makolo, Likolo, deux ou trois fois, à côté de un, deux, les alliés messages, les alliés qui s'échangent entre Mango, et ne peuvent comprendre ça, que c'est là qu'ils sont initiés. Alors, couleur rouge, pour ne pas aller dans des détails, est symbolisée, Biloko, Mibale, Misato. Il y a les bossos, là, il y a les d'abord, les alliés, et la question, makila. Makila ya nini? Moto nyoso oyo ako trahir, il faut bakata ye kingo. Moto oyo ako sala, musala ba tout batindiye asalate, il faut baboma ye. Et puis, ezali ko la kesa violence, que ce soit physique, intellectuelle, passionnelle, raison pour laquelle, nakati ya ba pouvoir, nakati ya ba régime, soki, ozali déjà initié na ba loge wana. Soki o trahir, bakoboma yo. Yango leur bakendeka ko prete serment. Bobona kabango, basala kaboye. Bakoyeb sayebo, tu auras tout, mais tu dois défendre ba intérêt ya groupe na biso. Ndima ke, soki, o défendre ba groupe, ba intérêt ya groupe na biso te, to ko bomayon pe, tu ne vas rien regretter, na famille ne regretter lo kongo. Yango, mona kabakendeke ba lati bilamba na bango, zana ba signe ba kompanda, ba eker, ba kei, et puis, saliboye. Vous pouvez retrouver beaucoup de documents sur les réseaux sociaux. Il y a Moutouneti Sassou Nguesso, il y a Moutouneti Macky Sall, il y a Moutouneti Nelson Mandela, il y a Moutouneti Thabo Mbeki, mais surtout Sassou Nguesso, il y a Penza Zaka, militaire accueilli à Saliboy. Abino, Oyekoya, Eya, ceux qui n'ont trahir par intérêt à France, il faut pas Katanga Kingo. Une des raisons, l'ancien président de Tchad, M. Idriss Déby Itno, Babomakie, parce que Bandaki Kozoa est là, il y a panafricaniste, il y a défendre l'intérêt africain dans le pays, et puis à écarter France. Diango, une des raisons, je ne dis pas c'est au courbe, une des raisons que Babomakie, parce qu'il avait trahi. Naba Moussousou, Babomakabango, Mponawana. Je disais donc, le rouge symbolique Nango, Ezali Makila. Et je vous ai détaillé un peu en bref ce qu'est le rouge. Raison pour laquelle Bomonaka, et si quand nous sommes autorité, bakei, bazalaka akei, mpe batamboli na tapi rouge. Symbolique n'ango pe signification n'ango yango wana. Ce n'est pas la gestion de la chose publique, comme l'a dit ce Rwandais là, ce squelettique de Rwandais et de Matatampogno, c'est pas ça, il est en train de raconter de salade. Ce n'est pas ça. Raison pour laquelle Obonaka, partout, Ezalaka, tapis rouge. Ce n'est pas par plaisir ou je ne sais pas, par gloire, non. Symbolique Nango, Yangoana. Ezali pour la coupe, c'est Nango respecté. Parce que il y a des couleurs qui sont plus belles que le rouge. Ce n'est pas un symbole de l'autorité. La métaphore cachée de la symbolique, Yangunga na Ebisibino. Oui, vous allez me dire que non, Yepe Azali, Rosicrucien. Enfin,
Vous m'avez toujours qualifié de beaucoup de choses. Je m'en fous de tout. Excusez-moi de prendre un peu quelque chose. Deuxième symbolique. A fait signification, il y a couleur rouge. La couleur rouge, ça représente makila, il y a règle menstruelle, oye bimaka, nanzoto ya ba mama na biso, basi na biso, ba tante na biso, ba koko na biso, bana na biso ya basi. Pourquoi? Parce que une fois que tu es initié, ba concoction mingi, ba liquide mingi ba pesa bango, ezalaka na liquide mixé na menstru ya mwasi. Pourquoi? C'est parce que nzoto ya mwasi ezali source ya vie. Je dis bien ezali source ya vie. Biso nyoso tokota kawana pe to bimaka wana. Ezali source ya vie. Raison pour laquelle que cela fasse mal aux musulmans ou pas, je m'en fous, je n'ai pas d'excuses à donner. Raison pour laquelle mon monaka na kati ya islam bazali na esika moko babengi Kaaba, la Kaaba. Zali libanga bakuvra kango na elamba ya mwindo, mais ezali na liduso moko. Liduso wana ezali na forme ya va mwasi. Botala yango, comme je vous en parle maintenant. Et à vous de me revenir pour rectifier ce que j'ai dit ou de mentir ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas allé loin. Ce sont des recherches que j'ai faites et je connais ces histoires. Botala na lidoso ya Kaaba esika batalaka. Ça représente quoi? Donc, ba musulman vénère de la femme. Mpeso ki otali toute la littérature islamique, ça ne vous parle que des conquêtes, paix, emprisonnement des femmes qui deviennent des esclaves. Ce qui peut boutali vignoso du prophète fictif Mahomet, parce qu'il n'a jamais existé. Toute sa vie, bon, étant un personnage d'une épopée littéraire islamique, toute sa vie, ezali kolobakaka na ba conquête pe kolala basi kuzana basi, il en avait 6 14 19 na ye na ba compagnon na ye. Toute la littérature là, ça ne parle que des femmes. Soki okoti na ba hadith, okoti na nani na ba na Coran, ça ne vous parle que des femmes. Malheureusement, ce sont des gens qui maltraitent les femmes. Je voulais donc vous dire, vous donner deux l'explication est symbolique, il y a couleur rouge. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un qui n'est pas initié à la tanaye et là en bas, tout cravate est rouge. Ça n'empêche pas. Les couleurs ne se disputent pas. Ezali choix ya moto. Donc, mais ceux qui ezali rouge plein, donc on ezali ata na ba fleur toto na belle, ezali rouge plein. Et puis, bozo ko mwana moto azo ko lata yango mikolo nyoso. Neti, ye, monsieur Rwandais, Pata Tamponyo, na Donald Trump, na bamosusu. Ce qui bozo ko mwana ye, azo ko lata yango souvent, que sur 7 jours, 5, 6, 7, ou 3, azo lata kaka couleur rouge, ça signifie, moto wana azali, initié, il appartient na loge moko, na groupe moko mystique. C'est ça la signification. Mais comme je l'ai dit, les gens sont libres de choisir couleur na bango ou balingi. Faites attention na malobalanga, mais ce que vous m'avez dit, couleur rouge kaka, ezali entaché na ma couleur moussousouté, et que moutouana zo kolata ngomi kolonyoso. Ça signifie azali membre. Il y a loge moko et les membres se reconnaissent, les Illuminati se reconnaissent par symbole wana. Biso, ba africain mingi mingi qui ne se renseigne pas, nous ne faisons pas attention na ba symbolique, na ba parole, peu na ba geste.
tout ça la attention na biloko en côté mais ba loge ba société secrète nyoso ezalaka na ba geste da symbolique na bango ngai na za mulega ya Kivu et pas na biso ya il y avait une société secrète qu'on appelait les Boamé. Je vous en ai parlé une fois et peut-être je vous en parlerai en long et en large un autre jour. Les Boamé, ils allaient société secrète à Bissau Balega. Ces gens-là, Bazalaki, n'a pas symbolique na bango. Malheureusement, c'est une société qui a disparu presque à cause de l'invasion de la religion, de l'administration coloniale et de tout le chantage que les soi-disant frères en Christ, frères musulmans, cette bande de voleurs, de farceurs et de menteurs qui existent et qui ont jeté l'assaut sur les valeurs, coutumes et traditions africaines, Basalak. Le témoin de Jéhovah, tout ce monde-là. Pourtant, toutes ces religions, ce sont des sectes et des sociétés secrètes. Elles à l'islam, elles à la christianisme, les jésuites, les témoins de Jéhovah, et peut-être les bouddhistes, ce sont des sociétés secrètes dont l'objectif est d'aller manipuler, contrôler bateaux, les exploiter, les esclavagiser et les garder au bas de l'échelle et puis détruire leur mental. C'est ça, certains des grands objectifs. Il y a la religion au Yobino Bosambelak. Alors, chez nous, le Balega, tout ça, qui est la société secrète Nabito, qui s'appelle les Boami. C'est ce qui a donné le combo de Moami. Nasi na explique Kabino que quand on parle de Bami na est ya Congo, na Rwanda, Burundi pe na Uganda, batwana bazali baamete. Dans une de mes sorties na explique Kabino e utaka wapi pour que bango ba copier yango. Ne peut être appelé Moami que celui ou celle qui est initiée dans la société et dans la société secrète Boamé. Et partout à travers le monde, il n'y a qu'une seule tribu qui a créé, inventé et mis en place la société secrète qu'on appelle les Boamé. Et cette tribu, c'est la tribu Lega. Ben, ce Balega, nous le Balega. Tozali Balega, monoko na biso ezali Kilega. En centre na biso ezali Lega. Mais tous les Balega n'étaient pas des Bami. Seul qui était initié, ce sont ceux-là qu'on appelait les Bami. Et les Bami a des catégories, des étages et des grades. Un jour, je reviendrai sur ça, ça ne sera pas pour trahir les Boamé de chez nous. Il y a les Boamé, Moamé Wakindi, Moamé de ceci et cela. C'est comme dans la franc-maçonnerie, où on vous parle des 33 degrés de la franc-maçonnerie. Donc, il y a d'autres qui sont des francs-maçons, qui sont au bas étage, qui attendent le temps qui ne connaissent pas ce qui se passe dans le degré, dans le 8e degré, 10e degré, 11e, 20e, dans le 30e degré. Il y a ceux-là qui sont là comme des étourdis, qui ne connaissent pas, mais ils attendent leur moment pour les cordons, les grands cordons, les chevaliers, et ceci et cela. Le reste, ce sont des membres. D'autres peuvent être des membres influents, comme d'autres peuvent être des membres juste pour grossir les rangs. Alors, chez nous en Afrique, malheureusement, la plupart des politiciens vont se faire rendre par les blancs qui les couchent dans leurs pour
que bazwa mbongo bazwa ba titre ba grade et peut pas gérer et ça va avec le sens il y a domination aux hommes bas les qui ba dobeyo na masoko donc au commis une chose alors tout celui à côté kana ba loge wana osala ba saraka na bango ezali kolala bango pour défendre ba intérêt des occidentaux et des autres. Alors chez nous, le Balega, la femme du Mwami, on l'appelle Kalonda. Kalonda Kamwami, la princesse ou la reine. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, sinon ça deviendra une sortie pour vous expliquer tout ce qui est sociologique. J'ai voulu juste vous faire goûter un peu à quelque chose et casser le mensonge perpétré par nos tourmenteurs qui sont là-bas. Ainsi, Bozokumona, le gouvernement Nabiso, peu ailleurs, mais surtout au Congo, vous retrouvez les mêmes individus depuis longtemps. Parce que ce sont des frères dans les mâles, dans les loges. Vous vous êtes plein de la présence de Mbosso et de ceci et cela. Tout ce monde-là, de Mende Omalanga, tout ce monde qui était là à l'époque de Mobutu, qui était là à l'époque de Laurent Désiré Kabila, qui était là-bas à l'époque du Rwandais Hippolyte Kadjambere Kanambe, alias Joseph Kafioto, Bango tout, et qui sont encore ici avec Félix Antoine Tshilombo. Les allées difficiles, tolongo la bango, soki tout est limité. J'entre alors dans le deuxième point où je voulais m'adresser à ba soldat Nabiso. Ba soldat congolais, ma ébite soki, y a solo vous allez battu à Mampinga, tobo tikele kakakola taka sokoto, kozala kana ba cordon, ba cordelette, je vais dire, na loketo na bino, na kola taka ba pete à lokuta général, colonel, major, na koteli saka bilongi, la taka ba chenette na ba bag à nord, je ne sais pas, soki bozala kai susu, ba Batwa Mampinga, mais vous devez savoir que, comme l'ancien président ghanéen qui nous a quittés l'année passée, John Jerry Rawlings, à l'Obaka, ce qui justice est en boka, Zali Lissousou, Kosa Lissamboka, Tepe Bapepe Nangote, le devoir revient aux soldats de rendre cette justice au peuple et au pays. Et puis, ce qui, pour vous renseigner, na vinaye, à ça là qui coup d'état, ce qui trois fois, na Ghana, c'est ton métier, maman naya, c'est là qui ghanéenne, papa naye, c'est là qui, autant ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont en Écosse. Mais il a choisi son camp, au lieu Azala, la fanfaronade à l'Iboma, Kenonga, Azali, l'Oposo à Pembe, Zamundele, comme Azali a l'habitude de Panabiso, tout métis se prend pour un blanc. Alors que les métis, ce sont des déchets des blancs. Parce que, Mundele, il suffit d'une goutte dans ton sang. Oyo, Azali, il te considère comme étant un nègre. Il n'y a pas de mal. Il y a chance de considérer que c'est Abraham Lincoln, l'ancien président américain. Il y a un métis sans que boye bango. Mais pour la Mundele, il y a un calteron, métis 3e, 4e, 5e. Degré oyo basi sokumona batre ya banoir epa na yote
bah qu'on considère yo toujours comme étant un nègre. C'est comme Obama na États-Unis. Mais chez nous, tout ça na complexe wana. Moi si na ye azali métis. Moi si na ye aza pembe. Ben on s'en fout na pona binu. Vous qui vous considérez comme étant supérieur la banoire. Aller au Mozambique, en Angola, tout comme en Afrique du Sud, le métis ne valent absolument rien. Ce sont des enfants qui sont nés grâce à curiosité. Il y a ma Mindele et certains Mindele qui sont venus, nos mamans, nos sœurs, nos grand-mères, et ils ont produit une personne hybride que nous appelons le métis. Chez nous, le métis, bazana ma pekalikolo, plus que nous, et vous avez un complexe de vin qui est Mindele. Et le Mindele, c'est quoi? Le Mindele est un produit dérivé de l'homme noir parce que ce qui nous a existé comme toi, le Bousso, ou à Vivaka, la Katia Mokili, ce qui nous a mis en Kilakamoto, c'est un moto mouindo. Ce que nous appelons faussement les blancs, c'est des produits dérivés. Il y a Bissou, Bato, Mwindo. Donc un blanc quelque part, le faux blanc sans doute, c'est un noir qui s'ignore ou qui fait semblant de s'ignorer parce que Bayebike, Baouta et Panabiso, ba noir. Alors je voulais donc parler na Batou, na Banani, na ba soldat que vous êtes porteur d'un certain espoir. Soki Bakambo, Ezaliko, Bongate, na Katia Mboka. Biso, ba Congolais. Tout le monde boit les mingi. Bino ba soda, ba tomapinga, bozo sale loko makote. Il est temps que vous leviez, comme dit l'hymne national, pour sauver le pays. Cessez d'être des complices des gouvernements fantoches, des gens tels que Félix Antoine Tshilombo, dont le père ne l'a jamais appelé, tu sais qu'il dit comme notre famille. Bonjour Zélanine. Faites ce que Jerry Rawlings a fait à l'époque au Ghana et ce que les autres soldats sont en train de faire dans d'autres pays, surtout dans les trois pays du Sahel. Bonjour Zélanine. Il est temps de vous rappeler que le 25 avril, je connais ce Zaki na 1974, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution des Ayé. Ayé, ils allaient partir mon coeur à fleur, où les jeunes militaires portugais ont mis fin au régime dictatorial d'un certain Salazar. Le 25 avril. Ce jeune militaire, Bazalaki, et contester dictature naïe, famille Moko. Et bah privilège bazalaye qu'on s'est tapé. Nombreux opposants, bah Kimaka Mboka à l'époque, entre autres, l'air bah déposé Salazar. Il y avait un certain Mario Soares qui était arrivé au Congo à l'époque de Mobutu. Bazongaka na Portugal après coup de Tawana Salamaka na Portugal qu'on a appelé la révolution des Ayé pour mettre fin à l'incurie qui s'est passée na Portugal. Et avec le temps, la démocratie était née au sud de l'Europe. L'ère ba jeune portugais militaire basali coup de Tawana. Il y a eu d'autres révolutions qui se sont suivies et nasé ya Potoana. Entre autres, la révolution en Espagne, la révolution na Grèce, la révolution grecque, ou Salamakana, na brigadier général Silianos Patakos, na Baninga na Yemoussousou, pour mettre fin à la monarchie en Grèce. Et ainsi, la démocratie s'installa au sud de l'Europe. La Grèce, ou Boibi, qui est considérée comme étant le berceau de la démocratie et de la civilisation européenne, et c'est là qu'il y a la dictature.
Donc, biso tozali pays moko, ozali bosso dans la dictature. Mais il a fallu que le militaire batte les mains pour mettre fin à la dictature. Il y a roi, il y a Grèce, na bongo, na bongo. Bino, na tuama pinka ya Congo. Vous faites quoi? Vous attendez quoi? Pour na ko sauver Mboka. Vous devez faire un effort pour mettre fin à ce qui se passe nanani na na Congo. Bozo yo ki sabi sou soni. Hein? Vous êtes là, vous allez soutenir un pouvoir corrompu d'une seule famille qui a trahi le Congo. Quand bien même que le communicateur ivre, aboyant de chiens, aboyant de lits d'épaisse, pour chercher à remodeler l'image d'Étienne Tshisekedi. Dans plusieurs de nos sorties, il y a un kakate, il y a Batou Mingi. Nous avons prouvé que Étienne Tshisekedi, c'est un traître, c'est un menteur, c'est un ami, il était un ami propre à Mobutu qui a contribué au malheur des Congolais. On peut bailler à l'autre côté, vous savez ce que non. 36 ans, 37 ans, il y a Bitou Mobutu, il y a Nani, il y a des pèses sur Bunda, Bitou Manin. On faisait tuer les gens pour rien pendant que le soir Mobutu était avec son ami. C'est connu, c'est écrit, tout le monde a dit ça. C'est connu. Bitoumani ni Bumunda. Il faisait une menée d'opposition de façade. Oh, il y a Moutouakandaga Kota la Mobutu Léaza malade, mais s'en fout. Nous, on s'en fout, c'était son copain. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez la bouche pour parler et imposer vos opinions au peuple congolais, chercher à remodeler l'image de Tshisekedi et qu'il soit grandissime et total à qu'il y a à cela quelque chose, comme si nous ne connaissons pas ce qui s'était passé. Les gens de l'IDPS, vous devez avoir honte de mentir. Oh, c'était Tshisekedi, premier docteur en droit en République démocratique du Congo. Mais combien de fois on vous l'avait dit qu'il n'y avait pas le niveau de doctorat là? Louvagnom na époque wana. Alors lui était docteur quand? Chez lui au village, à Kabeya Kamananga, où il était docteur dans sa maison. Mais vous continuez toujours à raconter des histoires comme ça. Premier docteur en droit. D'accord, on les lui concède. Premier docteur en droit. Il n'a jamais écrit un article, il n'a jamais publié un livre, il n'a jamais prouvé quelque chose de la spécialité dans le droit qu'il a appris. Rien. Alors, à quoi ça sert de continuer à nous dire qu'il était premier docteur en droit? Mais écoutez, cessez de mentir. Un docteur en droit? Mais il y a tout ce qui vient de la station de télévision Bamboka Moussousou, où il y a des débats et où, très souvent, quand il y a débat, on débat sur un livre écrit par quelqu'un. Au Comoro, ma politicien, Bazoko Bimisa. Ba livre mingi. Yabiso ba bimisa ka livre yapi. Des livres tels que pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Des livres poussiérés comme ça. Vous appelez ça écrire. Alors, Étienne Tshisekedi avait contribué en quoi au Congo? Pour que bof imposer sur l'opinion qu'il était l'homme le plus intelligent, qui s'est le plus battu au Congo. Il s'est battu contre qui? Alors, Bino Basoda, na pesi Bino Ndakisa, net na Grèce, na Portugal, na Espagne, et même, excusez-moi, na Roumanie, quand on avait appréhendé le génie des Carpates, bon, c'était un surnom. On avait appréhendé Nicolae Ceaușescu, Yena Moisinaye, Elena Ceaușescu. On les a appréhendés, on les a jugés. Et le 25 décembre 1989, ils avaient été exécutés.
Et vous pouvez vous rappeler du sort de Mussolini et sa femme. Bah Bomae, Batia Bango ba crochet, net Bangulu Batia Bango boy, na ferme. Misonase, Mutunase, Makololi Kolo. Ye Mussolini, na moisinaye. Les militaires congolais, vous devez faire autant à Félix, na groupe ba faux politiciens nyoso, au bazan à Katia Congo. Nous devons les appréhender et les manger. Ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kiemulele, je m'excuse, de Kimpafita, de Kimbango, de tous les Congolais qui se battent, de tous les martyrs congolais, pour que la nation congolaise soit. Bon dimanche. Société, ba société belle, boyoka lesate, tout comme on a bafoué, n'a bafoué n'en est mon papa na maman, dialogue sate, et comme à lobby, moi la bimi face, à Kimindaku, moi la commune à balabala, moi la bon la wenze, pour nini, dialogue sate na bafoué. Bomoni, le lobby d'elle, basanganaki, basali héros, bon, on connaît ma casse, pour la dialogue, dialogue de sali, dollar, le lobby de salamakas. Dialogue des salis, les deux livres sterling et Zalamakas. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur la Congo dialogue, c'est YouTube.